Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet important lorsqu'on travaille l'improvisation en jazz, c'est le fait d'improviser seul sur une grille, donc sans playback, sans accompagnement, juste avec une pulsation qu'on va se donner par un métronome ou juste par nous-mêmes en battant les 2 et 4. Quand on improvise, c'est important d'être à l'écoute de ce qui se passe autour, quels sont les accords qui sont joués, la pulsation évidemment, donnée plutôt par le batteur et le contrebassiste. Donc lever la tête, on va dire, être pas trop concentré sur ce qu'on fait à la guitare. Ça permet d'adapter ce qu'on fait par rapport à ce qu'on entend, mais c'est aussi extrêmement important d'anticiper ce qui va se passer quelques mesures après la mesure sur laquelle on est. Et ça, c'est en ayant une visualisation précise de la grille, et une bonne mémorisation de la grille, qu'on va arriver à faire ça. Donc anticiper que dans deux mesures, il va y avoir tel accord qui va être joué, et nous, on va adapter notre improvisation à l'arrivée sur cet accord. Donc c'est en fait ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va s'entraîner à improviser sur une grille qui ne va pas être jouée par un playback. Donc on va être tout seul à improviser, et on va chercher à faire entendre les accords. Pour travailler ça, pour travailler le ressenti de la grille, on va prendre le morceau Autumn Leaves, en sol mineur, donc ça commence par un Do mineur 7. Et ce qu'on va faire, c'est uniquement jouer cette grille. On peut soit plaquer les accords sur le premier temps de chaque mesure, soit faire la pompe avec le pouce pour avoir un son plutôt doux si on joue sur une guitare jazz comme celle-ci, et pas version jazz manouche en attaquant fort. Donc on fait ça sur un métronome qui bat les 2 et 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Comme vous venez de le voir, vous pouvez le faire aussi bien en pensant uniquement à la grille et en jouant que les accords, que en chantant le thème, parce que chanter le thème et savoir comment le thème se place par rapport aux accords, c'est un repère qui est vraiment important. Il faut savoir comment s'agencent les accords par rapport à la mélodie du thème en fait. Et le repère le plus précis qu'on puisse avoir quand on joue un standard, c'est de savoir quel est le thème au moment où on joue. Donc ça c'est la base, on sait jouer la grille, on entend le son que ça fait, donc quand il y a des cadences tendues, résolutives, tout ça, on entend à peu près ce que c'est, et on sait combien de mesures dure chaque accord. Deuxième étape, on va faire une improvisation en faisant des choses très simples rythmiquement, et en jouant uniquement les notes des accords, et en se contentant de jouer deux, voire trois notes par accord. On fait quelque chose de très très simple, simplement pour s'assurer que on joue dans les clous en fait, on se décale pas, puisque là, il n'y a pas de playback qui va nous rappeler qu'on s'est décalé, donc il faut qu'on soit sûr qu'on est bon. Donc on va faire ça sur toute la grille, évidemment ça implique d'apprendre plein d'arpèges, d'accords, tout ça, donc c'est plutôt une vidéo qui s'adresse aux guitaristes qui ont un niveau intermédiaire, voire avancé, donc qui connaissent les arpèges pour improviser sur Autumn Leaves. D'ailleurs il y a une vidéo de mon site Guitare Improvisation qui vise ce sujet, c'est une vidéo qui dure une heure à peu près. Donc on va faire ça sur le métronome, je fais ça sur toute la grille. 1, 2, 1, 2, 3, 4...
c'était le premier temps de la grille. Alors, plusieurs conseils pour faire cette deuxième étape, cette deuxième exercice, on va dire. Déjà, le 2 et 4 au métronome, si c'est trop compliqué pour vous, faites les 1 et 3. On ne va pas combiner toutes les difficultés en même temps. Première chose. Deuxième chose, vous avez vu que des fois, pour me recaler ou savoir où j'en suis, je joue le thème. Il faut apprendre le thème au préalable, hein, savoir comment il sonne le thème et savoir le jouer sur la guitare. Et de temps en temps, pour me dire, ok, je suis là, je joue un bout du thème. Là, c'était plutôt pour vous dire, pour vous faire comprendre, je suis à cet endroit-là de la grille. Donc c'est un repère important, le thème, il faut le connaître et savoir le jouer, ou savoir le faire ressortir dans nos improvisations, en fait. Donc voilà, ça c'est le truc important. Troisième exercice, un tout petit peu plus difficile, c'est de faire la même chose en personnalisant un petit peu les phrases et en faisant des choses un petit peu plus subtiles rythmiquement ou en rajoutant des notes, en fait. Je l'ai déjà un petit peu fait à la fin de la grille, mais on va le refaire. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà, il y a un moment, vous avez peut-être vu, je me suis trompé, j'ai fait durer le Mi 7 un petit peu trop longtemps. Donc si vous jouez la grille en même temps que moi, ce que je vous conseille de faire, hein, simplement plaquer les accords pour vérifier que ça sonne bien, puisque là, vous voyez que ça sonne pas trop mal, mais si vous allez jouer les accords en même temps, vous allez dire « Ah d'accord, on entend l'harmonie, tout ça, on entend les phrases. » Et vous allez... c'est quelque chose que je vous conseille fortement de faire, plaquer les accords pendant que je joue. Donc je me suis un petit peu trompé là-dessus. Avant de faire l'étape finale où on aura encore plus de liberté, je vous propose un exercice qui j'espère sera assez sympa et assez rigolo. Je fais des improvisations sur le premier A ou les deux premiers A de la grille, je sais pas, des improvisations plus courtes et je vais faire exprès de me tromper. Et c'est à vous de voir où je me suis trompé. Donc je vais peut-être me décaler d'un temps, de deux temps, faire durer un accord une seule mesure au lieu de deux ou trois mesures. Bon, on va voir. Il y aura trois ou quatre exercices que je vais vous proposer et les réponses sont disponibles dans le document téléchargeable gratuitement dans la description de cette vidéo. C'est parti. Premier exercice. 1, 2, 3, 4. Essayez de trouver quand est-ce que je me trompe sans jouer la grille, en pensant uniquement à la grille. Et si vous n'arrivez pas, jouez la grille en même temps, et là je pense que ce sera flagrant. Deuxième exercice. 1, 2, 3, 4. Et dernier exercice. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc c'est à vous de voir où je me suis trompé, si je me suis trompé, parce que c'est pas dit que dans chaque exercice je me sois décalé, ben ça c'est vous qui devez le dire en fait, et les réponses sont disponibles et téléchargeables en dessous de cette vidéo. Dernière étape qui s'adresse du coup plutôt aux musiciens qui ont un bon niveau, qui sont expérimentés voire professionnels, c'est justement de garder cette référence de 2 et 4 en tordant l'harmonie, en retardant les accords, en faisant des surprises rythmiques, en insistant sur les 2 et 4 ou sur les contretemps, pour faire en sorte que ce soit plus subtil en fait et moins
carré dans l'improvisation. C'est parti, je fais un exemple d'impro sur la grille en appliquant ça. 1, 2, 3, 4. Sur ce dernier exemple, jouer en même temps que le métronome et en même temps que moi pour voir où je casse l'harmonie, où je fais des rythmes compliqués, où j'avance, où je retarde les accords. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu, qu'elle vous aura permis de comprendre, déjà de peut-être de découvrir cet exercice, de comprendre en quoi il est bénéfique, puisque c'est un exercice qu'il faut pas mal faire hein, quand on veut maîtriser l'improvisation sur les grilles et s'entraîner à ne pas se décaler dans les grilles. Avoir voilà, une visualisation précise de la grille. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos pédagogiques où j'explique plein de choses concernant l'improvisation en jazz et dans d'autres styles. Il y a des playbacks. Il y a des vidéos beaucoup plus complètes sur mon site Guitare Improvisation aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.